Cette semaine, on pêche le koi. Ok, tout le monde, on est caché dans la brousse. Toute l'équipe est réunie. On est là pour le koi, puis aujourd'hui, j'ai l'intention d'en attraper un gigantesque. Hein, Loïc? Continue à partir avec. Oh! Ah! Fais-moi. Ouais. Il est beau, il est super beau, man. Les couleurs sont débiles. Wow. Les couleurs sont débiles. Oh non! Oh non, non, non! Come on! Yep! Dude, il est shiny, man. Yes, sir, Louis! Dude, good job, man! Qu'est-ce qu'on est bon, hein? Man, sérieux, là? Les deux meilleurs pêcheurs de koi de l'univers. C'est moi et Loïc à l'appareil. T'entends, jeune PD de la rive nord? Est-ce que t'entends? C'est la rive sud ici. On en prend des koi, t'as compris? Bou, bou, bou! Ok, refais-le, je suis prête. Aucune chance, là. Ah ouais, refais-le. Non, man, c'est ah ouais, une petite, je vais te donner de l'eau. Tiens, j'y prêche. Yes! C'est pas vrai, je te donne pas d'eau. Nous sommes le matin de la deuxième journée. C'est la marée. La mission koi continue. Wow. Oh, c'est chiant. You got it. Oh, c'est un beau. Il y en a un autre, c'est gros, là. Amène ça ici, mon homme. Le premier koi à Loïc, hey, une beauté, oh, hey. Une beauté fatale. Tape là-dedans, mon homme. Yes, boum! Yes, sir! M'en viens, mon gars. Yes, sir, je te filme. Hey, t'appuie. Asti, c'est hot. Je commence à perdre espoir. Ça fait des heures que j'ai des touches et que j'attrape rien. Loïc, lui, il ne cesse d'en attraper. Et en plus, la bière qu'il a fournie n'est même pas de la vraie bière. Je perds l'espoir, tout le monde. Attends, ouais, fais-moi, c'est un gros. Ça, c'est un big. Dude! Big, on l'a. Fuck yeah! Come on, boy! Hey, est-ce que tu ouvertes ma cam sur ma tête? Ouais. Sur ma tête? Ouais, c'est flash rouge. Oh, ça a pété! Dude! Hey, ça, c'était un massif. Lui, là, il était géant. On l'a pas bien vu là, mais oulala! Je pense qu'il l'a vu sa caméra. Oh my god! Il a genre popé un peu là-bas là! Ah, oh, ça a même pas pété en plus, ça a juste décroché! Aïe! Oh man, c'était un gigantosaure, man! Il était noir et rouge! Big! Hey go, t'as vu comment ça tirait? Tout, c'est insane! Il était inarrêtable! Inarrêtable. Oh my Big. God. Là, il a été partout, là. Il était là-bas. Oh. Ça, c'est dur pour le moral. C'est décevant. C'était génial. Je m'avoue vaincu pour ce soir. C'est la fin. Demain, on le pogne. Fuck yeah. C'est magnifique. Bonjour à tous et à toutes. C'est Loïc à l'appareil. Ici pour une nouvelle aventure de Koi Fish avec le Bayou Boy. Fais-moi pas tabarnak! Troisième journée de koi. Nous sommes toujours là. Et eux ne le sont pas. Et nous allons les trouver. Et les attraper. Puis tu es un peu plus loin. Oh! Remets ton appât dans l'eau. Remets ton chip dans l'eau.
c'est un gros, c'est un des gros. Passe-moi un beat. T'as-tu vu les couleurs du fish? Il était pas si gros que ça, toi aussi, voir. Le pogo challenge, filme-le de proche, filme-le de proche, passe-le. Vas-y, vas-y. Il y a toute la yes plein. Journée numéro 4, la dernière pêche au koi. Et c'est là que je pogne le monstre. Ok. Ça y est. J'ai mon gros. Mais j'ai un problème avec mon moulinet. C'est quoi l'affaire? Quoi? Man, c'est quoi qui se passe avec mon moulinet? Man, t'es pas sérieux. Oh, fuck. Pourquoi j'étais pas cadrillé? Oh. That's not cool. Je pense que c'est ce qui conclut cette pêche au koi de 4 jours. J'ai enfin repogné le gros koi. Puis mon moulinet, il marchait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais pas capable de reeler. Il y avait aucun drag. Il a fini par se décrocher. C'est des choses qui arrivent, mais j'avoue que quand je vais arriver chez nous, je vais mettre une petite boule. Puis je vais pleurer. Toute la nuit. Résister à faire un dernier lancer. Un dernier beau koi pour clôturer la session. Waouh! Dans des petits étangs de même, c'est vraiment nice. J'en ai attrapé plein au filet ou avec mes mains, mais jamais à la ligne. Puis enlever l'hameçon. Bonjour. J'imagine que vous êtes là pour moi? Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui nous a appelé pour quelqu'un qui pêchait. OK. C'est interdit de pêcher. Mais il y a toutes les pancartes qui disent plein d'interdits. Il n'y a aucune pancarte qui dit pas de pêche. Ben oui. C'est pas nourrir les canards puis pas se baigner. Oui, ben regarde, je vais te la montrer. Elle est juste là-bas. Ah ouais? Allô. Ça va bien? Oui. Je veux pas t'ostiner. Je vais juste te dire que j'ai fait le... Je vais te la montrer. Pas de feu, pas de nage, pas de plongée sous-marine, pas de pêche. OK. Je l'avais pas vu celle-là. Il est juste... Le panneau, il est juste à l'entrée du parc. Là. OK. J'étais allé faire le tour là-bas, il y avait des... C'est bon. Okay. Fait que là, faut que je m'en aille. Ben oui. C'est le premier match, je ne sais même pas s'il y a des poissons là-dedans. Ouais, il y a des poissons. Ah, c'est des grosses carpes. C'est ça, mais c'est interdit.
All right. Bord du fleuve, t'as le droit. Ah oui. Dans le fleuve, t'as le droit. Sinon, on n'a pas d'autre place nulle part ici là, pour la pêche. Avez-vous une petite assistance avec vous? T'as intérêt à prendre l'avertissement aujourd'hui. Parfait. La prochaine fois, vous flancez vite. Vous êtes en infraction, puis en plus, vous êtes en connaissance de cause. Que, parfait. Juste les retenir, s'il vous plaît, ce qui est inscrit, les indications sur les panneaux. Parfait. Merci beaucoup. Pas trop. Bonne journée.